Vendredi 27 octobre 2023, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir pour nous toutes. C'est la cinquième et dernière parète émission pour la journal Nouvelle Show. Qui arrive la CAIO, édition qui joigne support toute équipe en salle rédaction, Dr. Yves Boissonnier, qui coordonne et supervise Wensley Louis, a fait toute manœuvre technique. Zami Paula, moi-même, illustré noir, ensemble avec Yves Nakola. Nous avons mis pour toute présentation. Bonjour Yves Nakola et bon week-end. Bonjour, bonsoir, Ilis Renoir. Bon week-end, bonjour, bonsoir, Wensley Louis et bonjour, bonsoir, bon week-end à tout le monde. Mais ensemble, des points qui vont faire essentiel, journal sans hier, dans le cadre d'une opération, la police dans les organes dans TAP mené. Tout près nouveau scolaire sur un VA, ils arrivent à récupérer un bon nombre de matériel, tant que téléphone mobile, toute qualité. Panneau soleil et la trier après Yota possédé à arrestation présumé coupable. Pour une troisième fois, juge cap mené enquête sous dossier assassinat Jovenel Moïse, Walter Wesley Voltaire, Tade Joseph Félix Badiou, hier jeudi 26 octobre 2023, Mounio considéré comme numéro un suspect dans l'assassinat. Sa. Ministre agriculture et environnement, commerce et industrie rencontré hier jeudi à membre comité canal là. Eh bien, rencontre sa fête dans le cadre assistance technique et scientifique que le gouvernement a intention bail pour construction canal qu'a fait sous rivière Massacre. Comité technique organisation État américain OEA a en Haïti lundi 30 octobre et mardi 31 octobre 2023 pour collecter données techniques dans main autorité haïtienne sous canal cap construit sous rivière Massacre dans Wanamet. Enquête BLDS et DCPJ ensemble avec agent brigade surveillance la douane dans support officier. La douane au Capio saisi 279 unités cartouches qui sont dans le pays États-Unis et puis arrêté Sénèque Gustave qui était responsable pour recevoir colis. La police nationale fait qu'on ait arrêté pendant semaine ça James Laurent a collaborateur li Dadou Nicolas yo accusé de moun sa yo que yo fait plusieurs actes takou bay faux visa américain. La police nationale pays d'Haïti a arrêté Mitil Fonso jour jeudi 26 octobre 2023 dans aéroport international Cap Haïtien. Il va prendre avion pour Nicaragua. François, c'est membre gang Grand Griffe qui a opéré dans sa vie, une localité dans la rivière La Tibonite. Dans la bataille qui a mené pour combattre la détention préventive prolongée, le parquet Port-au-Prince a décrété permanence. Je dis ça, hier, dans le cadre d'une visite dans la prison Famio, le commissaire gouvernement Port-au-Prince, Jean-Edler Guillaume, libéré 9 femmes à Kiontimoun. Gouvernement dominicain a signé hier jeudi un pacte national sous politique l'État concernant la situation dans le pays d'Haïti. Et bien côté gagné 23 académiciens et 28 organisations politiques, excepté quelques partis politiques, les visés pour former et appliquer politique qui concerne les affaires étrangères. Immigration, frontières, économie, relations, pays d'Haïti. Nouveau Premier ministre slovaque Robert Fico annoncé hier jeudi 26 octobre 2023 fait livraison d'armes dans l'Ukraine, les limités support aide humanitaire à civils. Leader organisation PEP Caplité OPL opposé à l'idée coordonnateur général à Patia qui c'est Edgar Leblanc-Fils qui fait partie groupement politique qui dénommé Fonds Uni pour une sortie efficace à la durable crise pays d'Haïti. Voilà, madame, monsieur, c'est ensemble de points à vous, à plusieurs autres. Nous allons développer la journal pour la. Redbranchez Naptoune. Thank you.
L'information est un savoir. L'information, c'est le pouvoir. Radio Téléproche vous permet de comprendre, d'entendre et de voir. Voir le monde, le pays et votre entourage. Dans une quête d'objectivité permanente, chaque jour, les nouvelles sur Radio Téléproche vous transmettent le vrai pouvoir. 7h AM, midi, 7h PM. Nous vous développons l'actualité avec la meilleure équipe sur le cadran. Sur tous les médias modernes, radio, télévision, réseaux sociaux et plus, accrochez-vous. Le monde tourne. Continuellement. Radio Téléproche, la stabilité sur la balance de l'actualité. Madame, messieurs, l'autre fois, gros bonjour pour nous toutes. Bienvenue dans le développement journal. Là, j'en ai annoncé là hier dans Léogane, la police dans Léogane, dans le cadre d'une opération. Yo te mené tout collé à un nouveau collège sur EVA, t'a arrivé récupérer une bonne quantité de matériel. Quelques moun t'a volé dans le local Canard Market là dans la nuit côté gros la pluie t'a tombé yo. Et bien Ayosimo à un Idmo qui t'a dirigé opération si là, t'es accompagné à Kyun dans présumé coupable yo. Et que l'autre là lui-même t'es gétan chapé pour lui dans moment récupération t'a fait là. Mais la police t'a pral arrêté après sur route ça ira parmi matériel yo te prend yo nous t'es capable citer téléphone mobile toute qualité panneau solaire et la trier dans moment côté n'a pas parlé là la cou côté objet volé au tesseria vide parce que moun qui dans espace ça obligé courir quitter pour 6 ans car la police t'a retourné. Sorti par Bolakay nous dans Léogane pour nous parler de dossier Jovenel Moïse, juge enquête Wesley Voltaire. Tande ayer jeudi an Joseph Félix Badjo pour une troisième fois d'après information des preuves information yo jusqu'à minute ça moun ki considéré comme numéro 1 suspect dans assassinat Jovenel Moïse pour qu'on fait go révélation contact t'a précisé que FBI était tande monsieur Badjo tout yon source confirmé que juge l'a obligé tande Badjo bien vite parce que dans 48 heures k'ap vini la yo Badjo capable aller aux États-Unis. Dans faute de déclaration youn avocat yo qui t'a parlé dans micro la presse t'a fait connaître que Joseph Félix Badjo tête li cassé pendant la police prend l'étape descendre pour la juge Walter Vosler pour t'étendre li dans cadre enquête t'a mené sur assassinat Jovenel Moïse. Dans faute de déclaration youn juge li. Jusqu'à présent, c'est une assistance volontaire qui n'a pas eu la job.
Ça parce que nous sommes avocats, nous là pour nous assister tout le monde qui m'a dit ça, ou bien et on juge d'amende ça pour lui, ou bien doit ou bien bâtonnier, l'autre avocat côté nous et juge personnellement. Parce que comme nous connaissons déjà, yon automatiquement devant la justice, la loi fait l'obligation, et même juge capitaine de l'Ato fait l'obligation pour l'assister, son témoin que choisit lui-même ou bien un avocat. Là, qui côté monsieur allé, là, les pénitentiaires encore? Dites les pénitentiaires. Nous, on a une information qui t'a fait croire que pas trop longtemps, il devait quitter le pays pour aller aux États-Unis. Donc, l'information, nous, comme avocat, nous ne pouvons pas gagner. Ou ta pote de youn nan explication youn avocat Joseph Félix Badiou qui se Jonas Mezilus qui t'a fait connaître que mettre que Joseph Félix Badiou machine qui t'a transporté l'an t'est tombé non tout et ben côté Félix Badiou t'a tombé dans tout ça ensemble machine et tête li t'a frappé tête li cassé c'est ça youn avocat li yo qui se Jonas Mezilus t'a pas expliqué la presse. Question canal nan Wanamet, gouvernement haïtien finalement endossé travail construction canal nan Wanamet. Jean Yoté annoncé a yon délégation gouvernement qui était composée de ministre agriculture et qui c'est Charlot Bridi et ministre environnement qui c'est James Cadet ak ministre commerce ak industrie qui c'est Ricardin Saint-Jean et voyager dans direction et dans région pardon pour rencontrer maman qui composait comité et canal là ou du moins qui est en charge du travail ça a quand démontrer et bien désir yo gagner pour yo prendre charge dans toute bagaille pour capable finaliser travail ici là dans Majestic Guest House membre comité canal là président Chambre commerce Albert Pierre Paul Joseph président association marchand qui c'est Pierre Clément à Claude membre société civile là c'est passé au moins 2 heures à pas discuter sous projet ça à quand délégation gouvernementale là qui était réunie dans Wanamet. N'a toujours été dans Wanamet comité technique organisation état américain OEA a gagné pour entrer en Haïti lundi 30 octobre pour arriver mardi 31 octobre 2023 pour collecter données techniques nan men autorité haïtienne yo sous canal cap construit sous rivière Massacre dans Wanamet dans nord-est pays ce représentant permanent Haïti ambassadeur Léon Charles qui confirmé information sous code X que nous relais ancien Twitter. Question arrestation BLTS ak DGPJ DCPJ pardon nan nord ensemble ak brigade surveillance la douane au Cap saisi pendant opération 272 unités cartouches conteneur qui était sorti nan pays États-Unis qui t'a enregistré comme ça c'est Kosou et tiré 49-76-85-3 fouille sa fête dans le terminal quartier Morin CTSA et bien en présence de maître Noël Pemps juge adjoint dans tribunal de paix quartier Morin te gagne 5 boîtes unité de 50 et bien 29 unités cartouches calibre 9 par 19 mm Luguemac, Cellier et Bellio, eh bien, qui représentaient un total de 279 dans l'opération Sahara. La police a arrêté Sénèque Gustave, qui fait la date 16 février 1996, dans le port de paix. C'est lui-même qui était responsable pour être capable de recevoir Colio. N'a toujours parlé de arrestation James Laurent, c'est un avocat dans Baro Mibale. La police a arrêté monsieur là et lui accusé lui comme mon cap bay faux visa américain, complot criminel ak magouille au détriment l'état américain ak l'autre citoyen haïtien. Après audience là, Dadou Nicolas ak Laurent James qui c'est deux complices magouille yo placé dans garde à vue la police dans DCPJ pour procédure légale yo. D'après ça, institution la police l'ont fait connaître.
Arrestation sur arrestation, la police nationale d'Haïti a arrêté Mitil Fonsro jeudi 26 octobre 2023 dans l'aéroport international au Cap, présenté comme membre Grand Griffe, un gang cap opéré dans Savien, une localité dans Tirivière, la Tibonite. Après, prend avion pour aller dans le pays Nicaragua, selon une note PNH la mette dehors. Fonsro de CPJ a cherché sans arrêter, eh bien, été enregistré dans un vol compagnie Inter-Caraïbes. C'est détachement BLDS, DCPJ, dans l'aéroport au Cap-là, qui arrivait à arrêter l'individu ici-là, qui trouvait le Poukounia dans le cadavre pour suivi nécessaire. Toujours encore dossier arrestation, la police nationale d'Haïti a arrêté Ronald Romain, yon présumé kidnappé, mercredi qui était 25 octobre 2023, dans Kafou Gérald Bataille. C'est enquêté dans cellule contre kidnapping CCE DCPJ qui était collaboré avec officier la police sous commissariat Gérald Bataille côté plusieurs otages t'a identifié monsieur a. DCPJ libéré 3 otages à arrestation youth dans kidnappé yo dans Cara 2 commune Taba samedi qui était 17 octobre passé a. C'est ça la police t'a fait connaître youn alcoolite lio qui était dénoncé li te permettre police nationale d'Haïti arrêter monsieur a. Yon fois que yo te arrêté li yo identifié et yo te libéré la police est arrivé libérer 3 otages qui étaient en bas main monsieur Romain. Détention préventive prolongée dans bataille qui compte en détention préventive prolongée bureau procureur pour Port-au-Prince décrété permanence hier jeudi à dans cadre yo visite dans prison Famio. C'est G. Port-au-Prince qui c'est Jean-Edler Guillaume, eh bien, la gué 9 femmes à Kayon Minet. Dans une conversation métronomique, CGA a annoncé que même initiative ça a pour le fait dans toute cette prison qui n'a juridiction liée. OPL à travers yon position majorité membre comité exécutif OPL qui potentiati coordonnateur général en après que tel Jean-Philippe coordonnateur communication Daniel Syriac coordonnateur haïtien qui vivent à l'étranger qui c'est Henri Manson et coordonnateur relations internationales Pierre Willer Rivière avec conseiller Ronald Pierre et Di Paul Florent Melius Hippolyte qui c'est membre comité exécutif national et OPL dit au saisi pour ouais coordonnateur général Patien qui c'est Edgar Leblanc fils participé à mercredi qui était 25 octobre 2023 et dans présentation yon groupement politique ak parti extrême droite tan kou PHTK avec ED. Nan notre lan maman CEN yo mette accent en pile sou parti sa yo qui formé groupe que participé qui pral participer dans création groupe gang qui te mette eh ben société haïtienne à genou pendant 5 dernières années sa yo dans cas corruption dans administration publique là d'après note OPL là yo dit yo gaspiller l'argent pétro-caribéen yo gaspiller CIRH là yo massacrer peuple haïtien c'est ak parti criminel ça yo et ben que coordonnateur général OPL là al mette tête ensemble pour lancer yo front politique et ben parti a dénoncé ça leader OPL ça yo fait connait yo pas négliger prendre position publique dans exercice droit démocratique yo membre ak dirigeant parti OPL nan y ap tann nan yon réunion formelle nan men comité exécutif lan pour prendre décision et aussi une note ça pour informer leader yo ak membre yo nan parti a que coordonnateur général lan violé principe organisation OPL lan côté yo dénoncé Edgar Leblanc fils ben qui participait nan et ben parti nan fond uni ça yon et ben yon parti qui te créé mercredi passé dans hôtel Montana.
Ou toujours sur l'antenne Radio Pola, qui est l'antenne Radio Téléproche, ou sur le journal Pola, qui est une nouvelle chose, cinquième et dernier paraître. Nous, pour ce maintenant, nous allons aller dans Saint-Domingue pour nous dire que le gouvernement dominicain, si hier jeudi, il y a un pacte national sur la politique de l'État concernant la situation dans le pays d'Haïti. Si Haïti a venu dans un contexte de tension entre la République dominicaine à Haïti concernant construction canal cap fait sur rivière Massacre. Pacla a été développé pour 8 mois et autorité a été bail instruction pour les appliquer dans tout domaine dans la vie nationale. Après les financiers à Coran, président dominicain qui c'est Luis Abinader mettait accent sur l'importance qui gagnait sur une commission de surveillance à Kayon équipe pour consultation rapide à cause de situation toujours à pas évoluer en Haïti. Il était averti tant qu'à pas venir, au moins lancer un avertissement sous situation actuelle là et que tout secteur doit préparer à Kayon. Li exprimer espoir que parti qui poko si un pacte là pral rentrer dans initiative si là pour unité nationale là tout. Et nous parler au Mexique pour pipiti 27 moun ont perdu la vie dans gros cyclone Otis qui était dévasté à isolé station balnéaire Acapulco dans sud-ouest Mexique côté efforts sécurité organisé dans jeudi hier gouvernement état ak municipal lente recevoir et qui était rapporté gagné 27 moun qui mouri ak 4 l'autre qui pote disparaître. C'est secrétaire sécurité Rosa Isela Rodriguez qui te dit ça par la conférence pour la presse yo te bay ayer quantité moun qui mouri nan cyclone force catégorie 5 lan qui te pi gros sous échelle Saffir-Simpson nan te montré te monté li te pas sorti nan 18 moun qui mouri et li passé à 27 moun qui mouri selon sa président Andrés Manuel López Obrador ta fait connait nan micro la presse. Dans le pays Slovaquie, Robert Fico, qui est premier ministre slovaque, déclaré nous considérer aide pour l'Ukraine seulement comme aide humanitaire à la civilio. Nous ne pas bail Ukraine zam encore. C'est ça, Robert Fico, qui côté lui fait déclaration ça un jour après nomination li, eh bien comme notre tête un gouvernement coalition. Ligue la donne, yon parti extrême droite pour russe, la guerre dans le pays l'Ukraine, c'est pas nous. Nous pas gain rien pour nous faire la guerre si là. D'après lui, yon doit suspendre opération militaire immédiatement. C'est plus bonne solution pour l'Ukraine. Union européenne ta doit passer de yon fournir ses armes à yon groupe moun kap fait la paix. Gen Israël nan Hamas leader yo nan Union Européenne ki te rencontré nan yon sommet nan Bruxelles ayer jeudi 26 octobre nan la soirée yo tombé d'accord sou yon expression commun sou sujet conflit peuple Israël lan ak Hamas nan déclaration yo mandé pour corridor humanitaire yo ak yon pause. Acquise et discussion qui te duré 5 temps débat te calme en pile politesse d'après yon témoin ben texte là c'était résultat yon compromis et entre 27 qui te gain sensibilité très différent sur sujet Israël avec Hamas là pays tankou la France Espagne Portugal ak Irlande yo te insisté pour gagner une pause dans guerre dans bataille ça pour raison humanitaire ka rejoindre et bien population qui victime nan et gen l'autre côté gen l'autre pays tankou Allemagne République République Tchèque ak Autriche et bien qui te croit que langue ça et bien t'es capable illimité droit peuple Israël lan pour défendre tête li et te peur que l'état il pas permettre que groupe Hamas yo même yo ta prend force d'après déclaration et bien pays tankou et tankou l'Allemagne avec République Tchèque et Autriche ta fait.
N'a pas continué à remercier tout le monde pour fidélité et attention accordée à Antenne Radio Téléproche 99.9 lan, et sous chaîne 12 lan, et sous Facebook Live. Lan. Mette Elis Renoir, déclaration de Maître Jonas, il a fait connaître que ben, Félix Badio, pour une troisième fois, on go marché pressé bon côté la justice haïtienne, côté trois fois l'un de l'autre. Yot juge Wesley Voltaire qui a mené enquête sur assassinat ancien président Jovenel Moïse là, et ben t'attendez pour une troisième fois encore Joseph Félix Badio dans quatre dossiers assassinat, et un avocat lui a fait connaître Félix Badio et ben tête li cassé. Bon, et tant que j'en ou dit live là, encore une fois n'a salué tous tes amis nous qui branché nous sur différents canaux que nous utilisons pour nous capables de joindre, soit sur 99.9 là ou bien sur chaîne 12 ans. Sans ne pas oublier les amis qui sont sur www.radioteleproche.haiti.com qui suivent nous sur net là. Eh bien, nous saluons et déjà nous souhaitons un bon week-end. Bon, dossier Félix Badioa, et c'est dossier qui paraît plus chaud dans l'actualité par rapport à l'importance de Joseph Félix Badio dans le cadre d'assassinat de Jovenel Moïse. Au monde qui est considéré comme étant le cerveau de eh bien complot ça, et je ne veux dire qu'il amène la justice. Eh bien, il est tout à fait normal que juge eh bien Wisner continue tendre Badio, parce que selon toute annonce, après FBI a été fini tendre Badio, eh bien il a déjà annoncé dans prochaine 48 heures Badio t'a supposé quitter pays pour entrer aux États-Unis. Eh bien, pour la justice américaine, attendez. Si le juge Wisner sentit qu'il faut qu'on ait assez d'éléments, parce qu'il a montré que Badio peut faire une série de révélations. Donc, M. Gelé, on dit j'ai fait réticence, mais c'est pour qu'on voulait parler. Est-ce que vous pensez que avec la justice haïtienne, n'y pas voulu collaborer, mais qu'il a collaboré avec la justice américaine? Bon, ça peut être capable ou il est capable, non. Peut-être, Badio doit dire là, et qu'il doit mettre dans une situation très difficile, et c'est aussi là pour suivre. L'état santé sécurité n'est pas garanti à 100%. Gardé a mené une sortie dans paquet pour rentrer dans pénitencier. Eh bien, ou senti monsieur qui gagne Badio la main, à chaque fois qu'il sort avec Badio, c'est plus gros opération que pour mener. C'est comme si c'est un élément qui très sensible qui la main, parce que m'pas connait sur suivre vidéo les messieurs a débarqué avec Badio bien là pour voir Badio Yves Nakola. Ou senti gen tension, senti gen pression. Alors, nèg yo pa ta souhaité pendant Badio la main, yo conseille des bagages qui pou arriver. Donc, dans ce sens, la machine oblige à courir en vitesse. Côté moun kap conduit la perdi contrôle jusqu'à ce que la machine arrive tombe dans tout. Et Badio li même ou konnen li tout menoté, li pa gen moyen pou ta fait men servi comme ton parachoc. Et bien, Jean Choc la vignan, c'est comme ça le prenne et ça permet de te frapper. Bon, ça, je pense que c'est information. Li pas trop catastrophique parce que yo pas annoncé que c'est à la police qui t'a frappé Badio, mais même avocat yo d'accord, yo admettre que eh bien c'est machine qui est tombé non tout et que Badio t'a pas frappé tête Badio frappé. Tant qu'on nous dit si juge Voltaire senti que li pas gain accès avec Badio encore, bon c'est bien malheureux parce que Badio est un citoyen haïtien et li commet un acte non pays li, même si la justice américaine gain eh bien droit dans question ça pour capable eh bien faire venir concerné à pour tendel, mais ça pas ta de mettre yon cloison étanche entre juge enquêteur avec eh bien détenuant, parce que li te gen droit n'importe quel moment c'est capable mandé pour t'envoyer Badio Bali, soit lui même tout le gen droit dit bon la déplacer la faut couper aux États-Unis, mais on senti juge Voltaire senti automatiquement Badio eh bien quitter pays a eh bien li capable pas gain accès avec encore. Et gon l'autre bagaille tout pour moi-même penser par rapport avec travail J. Voltaire faire, li gain droit eh bien décider tout pour capable eh bien gagner toute information yon façon à ce que lorsque Badio va le pour parler devant juge américain pour ça le capable dire ou capable eh bien coïncider avec ça le gagner et dans main lui. Parce que s'il t'a quitté Badio, il t'a senti pas prendre assez d'informations dans main. Donc il doit avoir l'autre information qui vient venir et puis soit il prend dit tête lui, c'est parce qu'il pas tant de Badio assez, c'est parce qu'il y a des questions pas de poser Badio qui fait Badio je ne veux dire capable faire une déclaration qui t'a capable qui t'a pas paraître contraire
avec saleté d'il parce que lui-même il a un rapport parle pour le produit sur question en tout qui pral rejoindre et rapport de CPJA. Donc je pense que c'est dans sens ça J. Voltaire a fait un coup intelligent pour le débattre assez pour eh bien ça va dire pour le pour devant la justice américaine pas par contraire avec ça il dit avec la justice haïtienne par manque eh bien de questionnement. Je pense que c'est dans ce sens-là, eh bien, monsieur décidé pour le temps de Badio, eh bien, autant de fois que possible pour le capable de recueillir assez d'informations qui permettent que, eh bien, pas gagner une brèche qui crée, pas gagner un espace, pas gagner une fenêtre qui était ouverte. Donc, pour Badio, tu as le fond de déclaration qui t'apparaît, eh bien, département avec déclaration que lui-même l'a fait devant. C'est ça, moi-même, c'est comme ça que je comprends la situation. Est-ce que vous pensez si John Joel Joseph, et en Haïti, il t'a avoué tout ça, il t'a avoué aussi, pas les États-Unis. Eh bien, et John Joel Joseph a déjà montré inquiétude lui. Parce que John Joel Joseph quitte le pays d'Haïti, c'est parce qu'il dit, eh bien, il connaît si au Brel, il y a un peu de chance, comme étant donné bois calé pour toi à la mode, mais il a avoué que il y a un peu de chance, il était capable de tuer lui. Donc, c'est dans ce sens-là, lui-même, il a fait cool qu'on ait obligé de prendre un temps. Pour le terrain, et bien dans le pays Jamaïque, son façon à ce que. Parce que John Joel Joseph a montré qu'il n'y a pas de problème pour y arrêter, mais il y a seulement des problèmes pour ce pas en Haïti qui a été arrêté. Et après tout, si vous demandez à John Joel Joseph, est-ce qu'il décide pour le tourner en Haïti pour venir répondre à la question de la justice haïtienne, bon, garantie, il a dit non. Et purement et simplement parce que, et bien, il était gagné qui était sur la question ça. Parce que toujours tout ça, et bien, criminel là, lui-même, il est toujours personne. Donc, on est capable de vous prêter pour le verser ça, mais quand il s'agit de 100 pales qui pour verser, eh bien, il a tout prêt toute précaution pour 100 pales pas verser. Donc, on regarde là, et tant que j'en dis à John Joel Joseph, on pas arrêté quoi que, eh bien, l'établissement souhaitait pour être arrêté en Haïti, et c'est ça qui fait dépenser un peu de l'argent, et on dit ça, et pour monsieur pour un yacht, pour l'aller là, et Jamaïque, c'est bon comme qui dépensait parce qu'on est gagne des monde logé au l'amour et puis gagne des bagages pour le faire. Donc au même sens c'est vous mettez vie pour en danger, donc vous êtes obligé de réclamer plus l'argent dans John Joel Joseph. Et si c'est pour question et coopération, me penser si vous inquiétude, si vous doute dans question ça, c'est parce que gagne des déclarations monde capable sentir s'il fait le sous territoire ça. La demande est-ce qu'il y a une chance pour lui parce que nèg yo gen débat yo connaît que et yon groupe et commando capable rentrer dans n'importe prison prend yo connait ça. Bon, peut-être ça gen n'a pas gen l'autre formel pour le fait, il pas fait, mais nèg yo connaît gen capacité ça, nèg yo capable craser en prison n'importe là. Si toutefois que nèg a fait une déclaration qui t'entrave une série de monde et que monde ça te gen dit ça pas passer comme ça, mais à connait qui ça capable fait et ou après même mon policier qui t'a censé gain rapport direct avec et Badio, et bien au retard là moi il dit ça va rien doit fait parce que li pas normal pour Badio mon policier qui a accès à elle comme ça en dans centre de détention et connait qui ça capable vivre. Donc je dis à Yves Nicolas la vie monde qui concerné dans affaire Jovenel Moïse là. Eh bien, yo considéré yo en pile parce que chaque fois que les gens ont son piste d'atterrissage qui créé pour capable aboutir avec fin enquête là, ça que me pensais. Et pour c'est tout à fait ses conséquences souhaitées parce que, et bagarre la pas une question de fanatique Jovenel ou pas, mais c'est une question président de la République. N'importe monde, eh bien, tout dépend de vision ou capable aspirer pour ta vie de président. Si c'est pas ta ou même, c'est capable bon pour un chou ou un petit tout. Donc pendant ce temps, on t'a connu, facile comme de l'eau à boire dans le pays, côté que nous même sommes nos présidents, n'importe monde capable de choisir n'importe là, eh bien, ils ont comploté contre nous, ils ont répondu et tu on pense dans ce sens-là, tout a été dans la tête, il faut que ça ne soit pas reproduit dans le pays encore. Bien que des pays, ça fait déjà, qui prend disposition pour ça, ça ne jamais refait encore. Et je pense à Haïti tout, malgré faible moyen, mais il faut que nous d'accord, les gens de bagaille, comme ça, par exemple, fait dans le pays pour un président en fonction, et pour un groupe qui a une possibilité de rentrer la Cali et faire ça, le faire là. Pour des fanatiques ou pas, je pense que ce soit ici conséquent, donc on ne peut pas à admettre yon bagay comme ça. D'après go révélation Pierre Espérance t'est fait et protecteur citoyen t'est fait, il considérer
première dame, ancienne première dame Martine Moïse comme zami Félix Badio, li kon di Félix Badio kon conduit pour madame nan et dans révélation ça révélation te fait autour, li fait connait les première dame, ancienne première dame nan Martine Moïse t'est allé la calle après elle t'est fini établi, elle t'est fini établi après et ça t'est passé là, li fait connait que li t'est mandé juge là qui t'a quitté sous dossier pour qui ça yo pas arrêté Félix Badio. Est-ce que vous pensez déclaration Félix Badio là kounya là c'est pas yo c'est tout ça tactique qu'on a dénoncé avant yo c'est tout ça qu'a privé kounya je dis. Bon et même non bagaille là voilà et depuis quand c'est ça qui de trahison debout dit trahir ouais zanmi tay. Ouais. Donc moun nou tout trahi par propre moun pour c'est ça le douyé et même sous temps Jésus-Christ et on regarde par rapport avec et groupe que Jésus-Christ a partagé à lui même là yo t'ai habillé même gens babété presque fait même gens t'ai gagné du mal pour te identifier yo c'est ça fait Judas t'es obligé et bien à l'entendre avec pharisien pour être capable et bien livrer Jésus. Donc des boutons de trahison c'est toujours par un monde qui n'a entourage qui toujours trahi. Ça veut dire que si toutefois que Joseph Félix Badio a tout rapport ça avec famille présidentielle là côté qu'elle était même arrivé qu'on conduit pour Martine Moïse. Donc et si Martine Moïse t'a demandé pour arrêter ou bien tendre Félix Badio, me penser gagne des bagarre pour suspect, gagne des pressentiments pour gagner et pas oublier non faire comme ça. Toujours des monde qui a tripoté, toujours des monde qui prend parole pour devenir, il n'a dit pour parler et bien gon monde qui pourrait rapporter ça te dit donc on pas connaît et bien dans entourage monde ça yo et bien qui ça on l'autre qu'on habitude dit que content de Félix Badio a dit on a parlé dans téléphone avec un monde là et puis on montre lui bien loin et puis c'est ça a dit à l'attendre. Donc moi penser et si Martine Moïse est arrivé dit ça et selon ça et bien Pierre Espérance a fait connaître, c'est parce que Martine Moïse soit, et je ne vais pas le courir, il dit, parce que je trouve l'autre genre drôle, je ne vais pas le courir, il dit que, eh bien, il était gagné, yon parole sur question ça avec Joseph Félix Badio. Bon, sinon, s'il a fait déclaration ça, comme ça, c'est à tous les mêmes, mais peut-être pas en péril, vous comprenez? Mais ça a montré que, eh bien, il était gagné des informations, eh bien, qui montraient que Joseph Félix Badio, ta gagne une mauvaise idée dans tête li par rapport à ça qu'on vient comme information et peut-être il n'a pas de faire confiance mais qui t'a pas le prouver dans jour qui était 7 juillet 2021 et bien si il te connait des informations qu'il pas faire confiance et que lui ouais et bien la mon mari il rivé donc on y a là qu'on a venir faire information ça confiance et il commander à la justice pour entendre Joseph Félix Badio avocat. Et monsieur Jonas, maître Jonas Mezilusta fait connait. Dans depuis le début nous t'ai parlé de ça mais nous connait yon moun qui fait maladie sucre, moun ça toujours s'il blessé toujours gain gros complications pour blesser ça rien pour gain. Est-ce que pensez ça là pas ta doué gain un bon suivi qui fait avec Félix Badio pour ta conserver la vie li? Bon, ça dit à c'est ça mais tout dépend des niveaux blessures là et zones dans tout vous comprenez parce que les mon les diabétiques il y a des zones qui plus sensibles qu'on l'autre si n'a comprend temps la prendre même inférieur mon nan donc dans zone ça les mon nan gon blessure il toujours paraît difficile mais et ça m'a blé dit le mon diabétique il pas cicatriser non les gon blessure il cicatriser quand même donc ça capable prendre plus temps donc comme étant donné c'est frapper et bon il y a nous assez un petit dans bon cœur là un petit coché on va comprendre mes amis là parce que malgré on dit ça les apprendre la cellule là avec Badio on pas ressent sur Badio non seulement nous pas ressent on pensait que si ça te nécessité et bien pour tes intervention on pensait et bien il met dans cellule côté Badio et a il était capable brûler et bien des monde qui gain expertise dans domaine là pour te venir pour te capable pour diguer des soins à Badio voit même river mettre ça les pansements sous tête lui et me pas quoi bagarre arriver dans dimension ça et tant qu'on nous dit à cette question ça cette question Badio blessé a et bien me penser pour le bien de la justice et de la police nationale et bien normalement
c'est pas frappé policier ou te frappé badio, mais c'est naturellement dans le cas d'empressement yo perdu contrôle machine là tombé dans tout. Bon, là encore là faut que nous questionner et ça et qui ça qui derrière question ça, parce que pour qui ça la police et c'est pour seul backup, c'est plusieurs backup qui ensemble ils vont côté et puis ils ont obligé nos empressement tel jusqu'à ce que pour chauffeur perdu contrôle lui. Donc je t'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est parce que et badio dit chaud là mes messieurs, il y a pas des précautions pour pas arriver là, ils ont obligé et bien d'en sortir avec entrer avec badio. Il oblige à prendre plus de précautions parce que pas connaît c'est pas qu'on comment d'autres capable venir prendre badio là mais yo et nous connaît badio lui-même dans mon arrestation là il était prêt pour le prendre la mort. Ouais, il était prêt pour le prendre la mort parce que il était répliqué sévèrement avec et monsieur policier qui t'a arrêté lui. Donc dans moment il était préféré la mort. Donc badio seulement en lui-même seulement capable représenter un danger pour peut-être pas sans que vous pas besoin yon l'autre monde. Et parce que à chaque fois que monsieur au point badio yon mène nan devant juge là son victoire pour yon, chaque fois que yon une possibilité pour yon sortir devant juge là avec mettre le dans cellule son victoire pour. Et parce que le pas supposé comme ça pour que toute pression ça et là encore c'est parce que la police pas le contrôle pays a la police manque matériel également, vous comprenez, c'est parce que yon moun comme ça si ou ap mené ni et devant juge li nan machine li taille ta suppose une machine qui ta gon confort extraordinaire même si machine était capable frapper même si machine était capable voyer yo cocktail molotov sur li pour te kage moyen pour protéger moyen de protection oui. C'est bien dommage et nous encore là dans pays a et c'est pas pays n'a fait donc chaque sac ta suppose venir pour faire travail sérieux dans pays a te déjà gon nek te gon projet sur l'argent ça et qui classe l'approche, c'est bien dommage. Maintenant, est-ce que Joseph Félix Badio comme suspect numéro 1 dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse, est-ce que vous pensez si il est extradé aux États-Unis et la justice pour ancien président les plus près qu'elle peut loin. Bon, et Pabli Ivna nous te fait en considération sur question la mort Jovenel Moïse. Nous te dit que premièrement la mort son la mort transnationale li pas seulement concerne le pays d'Haïti mais li concerne l'autre pays. Ouais et on va regarder yo monter dans première réunion qui t'a faite dans cadre complot ça et bien yo monter première réunion yo c'est pas en Haïti première réunion était faite yo montrer c'était dans pays blanc américain et réunion était faite ça fait un. Et m'a répété moi te dire que il y a trois portées assassinat Jovenel la guerre les grandes portées diplomatiques les grandes portées politiques et les grandes portées économiques son façon pour dire que il vient à cola. Donc dans cadre yon assassinat qui gagne trois dimensions extraordinaire ça donc ou pas capable de mettre en tête tout eh bien nous pral seulement et mes pensées automatiquement yo transféré et Joseph Félix Badio aux États-Unis et bien ça va le permettre qu'il vienne justice. Une justice veut dire qui ça c'est à monde qui impliqué au niveau diplomatique et bien ta jeune sentence monde qui impliqué au niveau politique jeune sentence et monde qui impliqué au niveau économique jeune justice. On va essayer comprendre les encore là et bien des pays qui c'est ça c'est eux même qui mettent monde là c'est eux même qui gardien monde là c'est eux même qui gérant monde là et puis qu'on y a là ils t'a impliqué dans la mort ça au niveau diplomatique ou comprendre li pral facile pour ou pral di et même tel pays qui t'a participé dans ça donc qu'on y a ça qui arrivé je venais venir en justice de manière partielle même de manière partielle là. On sait des petits vagabonds là qui va gagner pour faire des montants de l'argent, ils peuvent pour combiner et puis OK au niveau économique on a dit bon mais groupe monde que Jovenel et bien t'est retiré on sait des privilèges dans main yo et bien on est dit ah yo marre monde ça bagaille. OK là qu'on y a là tout monde connaît peuple haïtien son peuple qui sensationnel et puis on t'a dit bon par rapport à nos monde qui déjà cité yo. Ouais, et puis attendez, yo sanctionner tel, yo sanctionner tel, yo condamner tel. Et puis haïtien pral courir là, moi, dis nous remportons victoire.
ou bien partisan Jovenel yo, ça va dépendre de qui moun qui se tire concerné par question ça. On y a là et moun qui gagne implication diplomatique yo, il y a toujours là. Avec n'importe le qu'on y a là où t'as un président qui va faire affaire au niveau diplomatique, tout il y a une possibilité pour comploter pour manger. Donc on pensez que Jovenel capable de faire une justice, son bagage qui était très 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 relatif parce que la moi a trois dimensions, une dimension diplomatique, économique et politique. Je pense qu'il faut que tout le monde, quel que soit le niveau que vous avez impliqué, eh bien, la justice américaine est capable eh bien, mettre la vérité à ce tableau. Ou du moins, si vous avez collaboré autour, qui déjà l'a mis la justice américaine, tu es arrivé à dire ça pour dire. Et jusqu'à présent, si nous suivons, ou après, selon ça qui dit, eh bien, c'est seulement citoyen haïtien seulement entendu qui concerné. Et on regarde même montrer qu'il y a des armes qui passaient en République dominicaine pour entrer en Haïti. Et le président dominicain qui est en monté au créneau pour le dire c'est menti. Et il pas démenti n'importe qui, c'est des experts de l'ONU qui le démenti. Donc c'est pour montrer où eh bien jouer une justice de manière totale pour Jovenel Moïse. Je pense que son bagage qui paraît difficile et voire même impossible. Et si nous avons pris une déclaration de la Confédération, la Russie te fait connaître, même les gens qui impliquent, qui ont mené enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse, là, c'est même les gens qui ont gen moun pa yo qui ont impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse, là, son, c'est une justice qui a obtenu et yo pas quoi que. Jovenel Moïse a besoin de justice li par rapport avec même moun qui a mené enquête là, c'est même moun ça ou encore yo gen moun yo qui impliqué dans assassinat. Ah ben parce déclaration ça représentant Russie la fait ou même pays là aussi fait, on pense lui répondre avec ça nous dit là. C'est pour montrer comme si et problème nan ou du moins cause qui entraîné la mort Jovenel Moïse là, les bon cause qui simple. Donc, il y a dit, ou après, mais les États-Unis, pour ça, les États-Unis d'Amérique pas dit, bon, pas seul pays qui est dans la région, Bombay, par exemple, le Canada, et fait ça, Bombay, ou l'autre pays fait ça. Ou du moins, ce pays qui t'a montré hostile avec la politique américaine, et nous, bah, on fait ça. Donc, ou après, que c'est les États-Unis qui embrassent l'OCA, et quelque chose à côté citoyen qui est impliqué à eux, les rivés. Donc yo prend Rodolphe Dia juste en Turquie et bien qui t'a mandé voyer le Bali yo prend John Joel Joseph malgré tes grosses spéculations que t'as fait qui t'a mandé John Joel Joseph est-ce qu'il voulait tourner en Haïti ou dis-moi est-ce qu'il voulait aller aux États-Unis je pense que c'était pour faire mon marché donc les États-Unis pas la jambe d'accord et bien j'ai des monde ça qui gagne une implication et rapprocher comme ça avec Zach qui passait là talent mais l'autre monde qui est dans mais donc c'est pour montrer que il est là donc au niveau diplomatique eh bien bataille là serré eh bien il y a des pays là qui pas prendre d'accord eh bien pour ta ouais ou ta dit que eh bien non au niveau eh bien eux même ils étaient d'accord parce que on nous dit un bagage et on regarde Jovenel Moïse mourir mais avant de mourir il était fait ça pour le faire. Parce que tout le monde qui est censé donner protection dans le pays, il y a tout, lui-même il y a des ambassades. Et voilà que, eh bien, il y aurait été fait silence jusqu'à ce qu'il y ait passé là l'infinitif. Donc, son façon, il est là pour nous dire que, eh bien, il y a une justice pour Jovenel Moïse. Et il y a un monde qui a compris la dimension diplomatique, politique et économique, ou pas là maintenant, tête ou. Eh bien, Jovenel Moïse pour la justice. Non, il y a toujours brûlé plus faible et c'est ça qu'a toujours fait. Mais Haïtien comme étant un peuple sensationnel et émotionnel, a toujours compris Jovenel Moïse pour la justice, mais on peut garantir nous pas qu'à espérer ça comme monde qui comprennent et qui analysent bah, la dimension qu'on analyse. Madame Anna et Vena, qui c'est lui-même qui est représentante et fédération la Russie, qui était dans le Conseil de sécurité de l'ONU, il a fait déclaration tout sur ingérence étrangère, là, qui c'est un facteur d'instabilité dans le pays d'Haïti. Et selon le représentant, là, ça encore. Et pays d'Haïti toujours a souffri de ingérence et bien étrangère. Est-ce que ça encore
tout le monde sa yo qui nous prennent pays qui prennent pays d'Haïti sous assassinat ancien président Jovenel Moïse là yo estradé aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que fédération haïtien lui-même là encore li pas montré à clair côté ingérence et bien étrangère dans pays d'Haïti à cause que Haïti justice pour ta joindre li pas ka joindre ni sur tout point. Bon, parce que la question d'ingérence, toute puissance fait ingérence dans pays qui est plus faible. Même là où c'est lui-même, il y a un côté par lui fait ingérence par lui. Vous comprenez? Après, je vous dis, il met un paquet de pays en Afrique en face de l'Occident. Donc, ça, c'est une forme d'ingérence par lui. Mais pour nous, là, c'est qualité d'ingérence et pays que Madame Eva. Madame Anna. Et j'en le dis là, et me pensais, c'est qualité d'ingérence qui fait ça. Lorsqu'on fait ingérence économique, on fait ingérence politique, on fait ingérence diplomatique, me pensais là ça, et c'est comme si le pays avait perdu tout ça où il est indépendant. Le pays n'avait pas indépendant encore, le pays n'avait pas autonomie à tous les niveaux. Et ou même vous côté venir à Colombo, t'as même senti que peuple haïtien, Haïti tellement, pays d'Haïti tellement subi ingérence, même ça relève la souveraineté nationale, nous répète. Moi, je pense que mon manifestation qui était faite, n'importe quelle année, quoi, est-ce que c'est pas en 2020, 19 novembre 2020, quoi, et manifestation ça a été faite. Et côté où t'es estimé, t'es gagné environ 3 millions de monde qui était dans la rue, et mais qui t'a demandé de part Jovenel Moïse sous pouvoir. Et lorsque Américain t'a pas fait déclaration, t'a pas le montrer, t'a pas réagir sur journée manifestation ça, et bien t'a pas minimiser bagarre là, c'est à considérer que chiffre dia c'est pas ça du tout. Et t'a comme si son sorte de montage yo fait, et mais effectivement quantité moun yo te dit que dans la ria, on pense que c'était même plus que ça parce que c'est presque toute ville dans pays là qui était campé. Mais qui t'a demandé un seul bagaille dans l'époque ça. Donc, je pense aux États-Unis d'Amérique, y ont quantité très minime t'a campé devant Maison Blanche pour faire pour protester contre un bagaille gouvernement et américain a tenu compte de ça. Ouais, y ont quantité très très minime qui était capable de une centaine de personnes, y a considéré ça. Et puis voilà que eh bien, un pays environ 3 millions de monde prend la rue à mandon bagay et puis pour minimiser. Sauf à ce que pour nous montrer que peuple haïtien a déjà perdu souveraineté. Il perd souveraineté dans tout sens. Li débarqué aller dans bureau de vote, yo voté. Et pour tande conseil électoral ba résultat dans après-midi ou tande administration américaine dit que résultat ça pas bon. Il elle dit pas bon. Ou senti peuple accepter qu'il pas bon parce que là on dit blanc parler et c'est pas seulement politiciens qui baissent tête mais ou senti c'est tout peuple là qui d'accord parce que ou tout entendez peuple là on sait ou senti peuple là qui ça blanc dit par rapport à tellement malgré le débat qui dans la rien là il prend ligne là il prend soleil chaud parfois là il tombe sur lui là il vote oui mais résultat vote li a li même li pa bay tête li pou ta di bon moi me connais me te voter tel donc faut volonté manifester la tande yon moun k'ap décider sou volonté qu'elle te manifester donc on pense c'est là au niveau mental faut nous sortir faut nous détacher nous de questions ça faut nous connais yon di a pays nous c'est nous k'ap décider pour li et me pense Haïti rive nou kafou kote ke li anvi démontrer ça. Et si m'a seulement prend exemple, m'a prêté là parce que faut nous était dans question, m'a seulement prend exemple dans question canal là. Ouais, je ne veux dire malgré tout pas l'empile, et bien on senti population dit que l'état pas vle. L'a fait canal li, que Abinadel pas vle, l'a fait canal li et li près quel que soit groupe moun qui t'a venu hein, et bien l'a fait canal li quand même. Et que nous avons dit, c'est très important. Nous avons l'État voulu endosser la responsabilité de faire canal là. Je pense qu'il y a un piège quelque part. Mais quand même, j'ai cela normal parce que tout ça qui a rapport avec la question agriculture, tout ça qui a rapport avec le projet, est très important.
li doit relever de compétence l'État. Et me pense li tout à fait normal et que l'État endosse responsabilité ça. C'est pour on a tourné sur question Yves Nakola. Pour répondre à cette question. Ou met à l'aide pour l'ingérence. Yo aller trop loin, yo aller trop loin et me penser et gagne des groupes moun, gagne des groupes moun et quand vous montrez pas gain pays qui gagne démocratie vrai, c'est toujours une démonstration démocratique que fait mais yo pas démocrate. Et sous ta suivi là voilà, aux États-Unis d'Amérique, il y a deux partis qui représentent deux partis majeurs dans la question politique aux États-Unis, c'est républicain, c'est démocrate. Ou connaît toute vieille décision qu'a prend contre pays d'Haïti, c'est toujours démocrate qui prend. Toute vieille acte qu'a fait en Haïti, connaît toujours démocrate qui prend. Donc son façon à ce que pour nous montrer, eh bien son faux démocratie nèg yo offre nous et puis yo même yo veulent influencer nous et les influencer nous, yo influencer nous dans mauvais sens. Si nous avons un exemple d'un coup la famille Clinton. La famille Clinton que l'on veut ou non la question élection eh bien 2010-2011 yo eh bien c'est eux même qui t'ai gagné responsabilité à la main yo c'est eux même qui t'a géré question élection donc n'a d'accord et ouais nous va regarder deux cas de figure pour deux décisions différentes et René Garcia Préval t'ai gagné pour l'ENI qui c'est Jude Célestin eh bien il t'a supporté dans cadre élection qui t'est venu avant élection ça et qui ça a dit là dans l'élection et Matelio wa kade yo dit que eh bien Préval pas nous prendre l'argent pays a pour la financer un candidat et au mandé pour retirer Jules Celestin dans pour ça ça fait même quand figure a présenté. Yo accusé Matelio comme qui prend l'argent pays à cap financer Jovenel Moïse. Jovenel Moïse continue dans tout cela. Ouais, là son question d'intérêt. Et me penser c'est même question gérant ça qui baille ça. Et il poursuivre, il va poursuivre dans élection ou prendre tant que Moïse Jean-Charles. Quel on veut ou non, on pas quoi qui était plus populaire dans époque ça que Moïse Jean-Charles. Ouais, et ben il rive au côté. Il t'a soi-disant dit c'est lui qui finit en deuxième dans l'élection yo et Matelio t'a fini juste cinquième. Eh bien, il dit résultat ça pas bon. Matelio en deuxième position rien. Et vous voyez Matelio dans deuxième. Face à Madame Maniga. Yo sommité. Ouais, yo sommité intellectuel qui c'est Madame Maniga malgré par la suite au senti l'ontigeant. Eh bien, et c'est comme si son bon comme étoile pas confilé. Mais au senti son monde qui perdit la dimension li comme monde comme ça le représenté bon pas connait si c'est parce qu'elle était sous égide Marie qu'elle dégain toute dimension ça Marie mouri bon dégradation qui fait mais quand même ça pas empêché qu'elle était monde qui lié à ouais et mais qui ça qui fait yo mandigan ces bagarre là yo mandigan ces bagarre là et puis la presse fouille pied la question hein? Ouais la presse fouille pied la question hein? C'est là il a parlé de nèg qui gagnait audience. Ouais, nèg foure pied dans bagaille là et dans ce premier temps parce que tout le monde d'accord eh bien que madame Maniga gagne élection yo et puis par la suite qui s'est passé eh bien nèg dit bon nous connaît c'est bout qui pour faire c'est pas l'empile qui pour faire c'est l'obeil qui pour faire nèg yo péton l'obeil si tout dans ville caï nèg aller yo acheter manchette depuis ces manchette qui était dans magasin yo acheter toute manchette et puis yo dit a craser a brûler si on pas bailler matériel élection yo bagaille a commencé changer. Malgré ça, pas fait pour le faire, eh bien, nèg, eh bien, qui gagne gros audience, non, émission qui gagne de grande écoute, eh bien, yo prend bouche pour yo dire que, eh bien, ça t'a fait donner un pile, si c'est pas ta Matelio, eh bien, yo ta bail qui gagne élection. Voilà que oui, yon, conseil électoral gagne pour le bail, yon résultat dans la soirée, vers 3h, 2h, 3h, nèg a prend bouche li dit gros c'est bagay ça. Donc, ou que tu comprennes que, au pays qui sont pays brigandais, dans le pays d'Haïti, côté que vagabond fait ça, vous voulez, et puis pour dire que ça t'a fait tourner, si vous n'avez pas travaillé Matelio gagne l'élection, qui sont que tu as créé là, dans l'opinion publique là. Donc, si c'est ta madame Maniga, vous travaillez, et dans le résultat, vous travaillez qui gagne l'élection, donc ça, et bien tu as suscité un groupe de monde, et bien a fait des autres dans le pays.
Donc on y a là pour éviter une situation tête chargée. Donc on y a là ou pas senti concrètement le conseil électoral là identifié sous l'île parce que on y a même si le résultat même dans ces résultats vraiment c'est madame Maniga gain est-ce qu'elle est capable bailler. Donc c'est ça pour ouais comme si ingérence là lui fait tout côté, lui fait tout côté à tous les niveaux et moi penser et c'est ça tant que Jean madame Nadia, c'est ça qui met le pays d'Haïti dans ça lié là. Moi même pas dit par rapport à tel parce que son système qui est établi, son établissement qui est établi pour pays d'Haïti, et bien retour pays Jean lié pour pas utiliser force lui parce que un pays qui est son pays, il est un pays producteur et bien je veux dire, il est venu un pays de consommation. Eh bien c'est ça donc automatiquement arrivé là c'est ça mais quand même moi me penser il y a des monde qui c'est haïtien qui connaît histoire pays d'Haïti si on arrive au timon des affaires me penser au moins pays d'Haïti même à 30 à 40% a des chances pour l'exploiter ça lié comme pays ça le gagner dans réserve lié comme richesse mais qui pas mettre il eh bien dépend de toute une série de l'autre pays qui c'est lui même qui t'a supposé supporter vous devez dire l'obligé c'est là mais on a peut-être pour nous fermer avec dossier ça sous régnant et ancien président, défunt président Jovenel Moïse, et on a pas appelé nous, tu as gagné et ils ont causé mercenaire qui t'a visité Banque Centrale, il y a un pilote bagay qui t'est passé, tout dossier ça, il n'y a pas de clarifié, pas de monde qui connaît ça, de parler des sociaux. Et même là, mort ancien président Jovenel Moïse, c'est toujours. Yo parler des mercenaires qui débarquent. Eh est-ce que c'est pas l'histoire qu'a répété? Oui, c'est ça qui eh mais tout ça c'est résultat d'ingérence là, oui. C'est là comme si dire que et gagne des monde et qui considère pays d'Haïti comme étant savant. Depuis c'est yo qui fait ça ou voulez en Haïti, c'est bien. C'est parce que yo mon prédominance et dans pays a et yo qui fait ça ou voulez. Yo ka exploiter Jean Oblé, yo ka piller Jean Oblé. Et c'est ça qui rive. Qui baille son ek baille là. Quand on dit là, n'a songé sur Jovenel Moïse, et bien t'es un groupe mercenaires qui t'est débarqué, et bien qui t'est venu et pourtant d'eux yo t'est sous d'OBRH et premier ministre d'alors, qu'est-ce que t'es premier ministre à l'époque encore et qui t'est dit bon gars laisse lui-même nèg t'es besoin et tuer. Il était arrêté négro dans l'aéroport international tout seul ouverture et après autant de négro aller et sans ouais négro a maltraité et badjo je dis ouais négro comme si pas badjo espace pour respirer à mes notre bras et ben ça a connu si des mercenaires d'accord OK gouvernement américain c'est capable mandé et mais pour extrader négro Bali et pour le capable faire suivi yo. Mais au moins, mettez mes notes dans le bois jusqu'à ce que vous arriviez dans le porte-avions et depuis qu'il y a un porte-là, vous avez pris l'action. Donc, c'est une façon pour nous dire que. On parle de Henri Séan, l'ESA qui était premier ministre. Oui, c'était Henri Séan qui était premier ministre et qui était dit que, eh bien, monsieur, c'est complot, c'était contre lui et tout ça. Donc, on a regardé même Jovenel Moïse qui était président d'alors, où tu es senti comme si il était trouvé c'est normal. Et je pense. C'est là pour nous sortir. Et moi même d'accord oui, ça qui arrive dans société bon monde qui ont grandes zones au carrefour. Mais ça t'avait conscience du conseil des politiciens qui ont deux grandes zones au carrefour, faut nous sortir dans genre des monde ça parce que monde qui pas capable lever tête garder monde qui pas capable parler. Et moi parce que c'est ça qui mettait pays à dans état ça. Et c'est ça qu'on voit tout c'est avec genre des monde ça yo et bien genre des pays ça toujours veulent servir pour capable et bien mener aux gens yo veulent. Parce que les gens qui ont deux grandes années dans le carrefour, ils viennent de mon côté, ils ne peuvent pas dire non, ils sont obligés toujours à dire oui, ils sont obligés à accepter tout ça que les gens, que mon dirigeant n'a pas supposé accepter pour le pays, ils sont obligés à accepter parce qu'ils connaissent deux grandes années dans le carrefour quand ils ont des bonnes années. Et je pense que la société haïtienne a gagné un rôle pour jouer. Malgré moi gon complot qu'a fait là côté que gon regroupement qui gagne un paquet de malandrin la donne excusez m'expression ça c'est déclaration de oui des moun qui étaient bien je viens renouveler tête là même tout sont dérespectant pour pays côté que gens des moun ça revenir je dis que ta proposition c'est comme si eh bien prochaine transition parce que comme transition a prolongé parce que pas gagné qui fait pour mettre on fait avec transition ça et comme si c'est ça même qui t'a va gagner pour bagarre avoir demander comme égal le bloc fils comme on est plus ou moins considéré qui ont virginité politique faut être tête dans la question ça et ouais
reste moi parti à et bien camper pour dire comment comprendre le jeudi à quel on veut nous venir là si nèg ça c'est pas nèg préparer un bagage pour pays à si nous voulons faire un sérieux qui ça nous représenter comme parti côté petite de saline côté famille la ralas dans ça qui gain là et côté RDNP il est vrai RDNP déjà la question et bon donc si nous t'arrêter sur réponse docteur Evans Bobin donc ma présence pas dans Maninga dans accepter la grand rien ouais avec RDNP en comme si il des partis qui c'est des partis et qui m'était capable dire des partis solides qui ont histoire dans pays là yo pas dans question ça et pourtant donc bonne petit bagarre pourtant des aider c'est là patati patata la paix net bon la paix mais ça la paix vient faire là avec nomna na cassis mes amis. Merci monsieur Noir. Nous avant nous faut que nous aide pour faire ça très rapidement pour nous cal jeune Kevin Hippolyte dans Jogging Matinal. C'est demain qui pour le 28 octobre 2023, c'est pour ça va faire un an qu'il a été assassiné ancien candidat pour poste président qui c'est Éric Jean-Baptiste et qui c'est parti RDNP et n'a bien pour nous recevoir docteur Evans Bobon là dans espace invité c'est pour la 9h et c'est la veille commémoration et bien tu as gagné et président parti a qui c'est président Aïan Wagner Edouard lui dit lui étonné pour le et lenteur qui enquête ça gagné pour l'abouti enquête sur assassinat et Éric Jean-Baptiste. Bon parce que messager Éric Jean-Baptiste t'a prêché à bon faut que tu t'amènes là parce que depuis qu'on message anti-impérialiste et Yves Nakola donc là maintenant là et ça fait un deuxièmement et par rapport avec Jean-Éric Jean-Baptiste ça fait bagarre sous terre hein. Et me penser c'est après et un candidat potentiel pour prochaine élection pas seulement élection mais de toute décision qu'a prendre dans pays là et Jean-Baptiste c'était on est qui était non position de force et premièrement il était juif de un parti qui est considéré comme étant un parti sacré et qui s'est parti et Lucie François Maniga comme dit le compte à des préférences donc c'est ça qui fait il était critiqué ça il était dit un parti comme ça comment faire la gueule dans mon bolette ou ça me dit là donc Éric Jean-Baptiste était montré maturité politique lui parce que et au départ on pas senti c'est ton nez qui te gagne toute dimension ça mais l'émis te vient à parler après ou te voit c'est ton nez qui te gagne en maturité politique très avancée et à travers œuvre sociale li également ou te senti c'était un politicien de caractère de force qui était capable comme si bah un pile problème dans quelque soit ça que tu as pas le prendre comme décision politique et me penser monsieur était déjà représentant en entrave pour paquet de monde donc dans sens ça et que au niveau message qu'il t'a véhiculé et ça le représenter comme monde penser il était déjà et bien pas aller dans sens son série de monde on série de monde je veux dire qui voulait renouveler tête dans politique et me penser peuple là peuple a commencé dans série de monde halté là parce que nous pas qu'à continuer dans ça nous là parce que même le groupe monde ça qui là dis-moi qui est là dedans yo ou capable dire qui pas participer qui pas contribuer dans mener pays à côté lié là une veut dire pour Claude Joseph capable et bien comme major Jean non mouvement comme ça comme une veut dire autant de la paix là dedans autant de on dit AKA a célébré journée internationale langue à culture créole côté académie et créole haïtien AKA célébré 42e journée internationale langue à culture créole dans date ailleurs.